Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes vraiment extrêmement nombreux. On m'avait dit, tu commences à 33. Donc voilà, non seulement je l'ai dit, mais je commence à 33. C'est pour moi évidemment un immense honneur d'être ici devant vous. J'y suis parce que j'ai eu la grande chance de pouvoir présider un jury qui attribuait le prix d'histoire 2023. Vous savez donc que l'ING, tous les trois ans, donne... Entre 4 et 8 000 francs, ça dépend du nombre de lauréats, pour des ouvrages d'histoire particulièrement marquants. Et cette année, je dois dire qu'on a été très, très gâtés. Il y a eu 15 ouvrages dont nous avons pris connaissance, d'ailleurs des ouvrages extrêmement variés. Il y avait ce qu'on pourrait appeler des ouvrages classiques d'histoire, mais il y avait aussi des bandes dessinées, une pièce de théâtre. Il y avait donc là une variété dans la forme qui nous a beaucoup intéressés et sur laquelle on va devoir évidemment se pencher. Alors ce « on », de qui s'agit-il ? Il y a tout d'abord, par ordre alphabétique, Claude Barbier. Certains peut-être ici le connaissent, politicien franco-suisse, et qui est un très très grand spécialiste de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de la France voisine. Ensuite, toujours par ordre alphabétique, Jacques Berchtold, qui est donc le président de la Fondation Bodmer et qui est aussi membre du comité qui a décerné ce prix au sein de l'ING. Serge Paquet, lui aussi membre de ce comité, professeur à l'Université de Saint-Étienne. Ensuite, nous avons Marco Schneider, qui enseigne à l'Université de Fribourg et qui était là non seulement parce que c'est un ancien de l'Université de Genève, mais aussi parce qu'il est le rédacteur francophone de la revue Suisse d'Histoire, qui, on peut le dire, est la revue d'histoire la plus importante pour les historiens suisses. Il y avait également Corinne Walker, historienne bien connue, très prolifique et aussi lauréate du prix 2020. Et enfin, last but not least, il y avait Andreas Würgler, qui est actuellement professeur d'histoire de la Suisse moderne et médiévale à l'Université de Genève et qui malheureusement ne peut pas être parmi nous en raison du Covid. Je crois que c'est une raison qui malheureusement vous est tout à fait connue. Alors face à la grande qualité et aussi à la diversité des ouvrages que nous avons reçus, il a fallu établir des critères. Nous en avons établi deux principaux. Il y avait tout d'abord, de manière, je dirais, presque objective, l'idée qu'il fallait récompenser une œuvre, un ouvrage qui change, peut-être pas radicalement, mais qui change considérablement notre perception, notre connaissance de l'histoire de Genève. Le second critère était beaucoup plus subjectif. Il s'agissait de primer des ouvrages, des œuvres qui nous intéressaient, qui nous ont plu, et simplement avoir là une approche peut-être un peu moins, j'ose le dire, professionnelle. Quoi qu'il en soit, le résultat des délibérations a mis en évidence deux ouvrages et deux auteurs, qui sont des auteurs déjà très confirmés, il faut le dire. Tout d'abord, et par ordre chronologique cette fois, il y avait Philippe Rieder qui nous a présenté un ouvrage considérable s'intitulant « Le monde médical des Lumières, Louis Audier, 1748-1817 », qu'il a publié en 2021 aux presses universitaires François Rabelais. Le second ouvrage que nous avons décidé de primer est celui de Bouddha et Thémade qui s'intitule « De Rousseau à Dunant, la colonisation et l'esclavage vue de Genève », publié en 2022 chez Antipode. Vous allez pouvoir les entendre beaucoup plus longuement ce soir, mais avant cela, ils vont être présentés. Bouddha et Thémade, pardon, excusez-moi, toujours par ordre chronologique, excusez-moi. C'est Jacques Berchtold qui va se charger de la présentation, de la laudatio, pardon, de Philippe Rieder. Et quant à Bouddha et Thémade, eh bien, ce sera Marie Ulmar, qui est professeure d'histoire moderne à l'Université de Genève et très versée dans les histoires de... on dirait en tant que 19e de proto-colonialisme ou déjà de colonialisme. En tout cas, je vais leur laisser la parole. Je les félicite déjà, quoique j'aurai l'occasion de le refaire à la fin de la soirée. Merci beaucoup à vous et félicitations. Merci, c'est un grand plaisir et un grand honneur que de vous présenter l'un de nos deux choix pour le prix, cette
monographie synthétique, mais qui est plus qu'une monographie, de Philippe Rider, Le monde médical des Lumières, Louis Audier, 1748-1817. Donc on connaît quelques très grands romans qui ont eu une renommée internationale, comme Tissot à Lausanne et Tronchin à Genève. Voilà qu'il fallait rendre également à Audier la place qui lui était due. Il avait été moins étudié, c'est chose faite, et de quelle manière? Donc Philippe Rider est docteur ès lettres ici à Genève depuis 2002, ça fait 21 ans. Vous avez étudié à l'Institut d'histoire de la médecine, vous avez étudié au département d'histoire générale à la fac des lettres à l'Université de Genève, où dans les deux cas vous avez enseigné l'histoire de la médecine d'un côté, mais également l'histoire nationale. Vos très nombreux articles portent sur l'histoire de la formation du médecin, l'histoire du savoir médical, l'histoire sociale du patient. Ça, c'est une chose qui vous est universellement reconnue comme un point novateur particulier que d'avoir fait avancer les recherches sur la sociabilité du patient et les sociabilités dans les relations entre médecins, mais également entre soignants et patients. C'est un grand nombre d'articles, donc je n'entre pas dans les détails. Aujourd'hui, en fac de médecine, vous êtes maître d'enseignement et de recherche dans l'Institut Éthique, Histoire, Humanité. Nous venons de recevoir un mot d'excuse de la présidente, la directrice Samia Hurst, hein, qui a un empêchement et qui aurait voulu être là. Alors, on peut juste évoquer que votre thèse portait, avec un titre de thèse, hein, « Vivre et combattre la maladie, représentation et pratique dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel au XVIIIe siècle », elle a donc été soutenue en 2002. Vous avez pris le temps d'en faire un beau livre. Et entre-temps est paru « Anatomie d'une institution médicale, la faculté de médecine de Genève, 1876-1915 », 403 pages quand même, hein, chez Georg en 2009. Paraît ensuite cette thèse revue et corrigée, donc je ne saurais pas dire si ces 542 pages représente un dixième de la version soutenue ou si, au contraire, vous l'avez encore enflé. En tout cas, le titre est devenu plus concis puisqu'il s'agit de « La figure du patient au XVIIIe siècle » chez Drau en 2010, 542 pages. Et puis, aujourd'hui, vous nous donnez donc « Le monde médical des Lumières ». Ça n'est plus un éditeur genevois, c'est les presses universitaires François Rabelais à Tours. Évidemment, c'est rare d'avoir un tel géant de la littérature française qui soit lui-même un médecin. Ça tombait peut-être bien, d'où cette infidélité aux éditeurs genevois qui est bien vite pardonnée. Alors, c'est une monographie riche. Un cas particulier, ce Louis Audier, replacé dans tout un contexte d'origine, de famille, de relations, mais on a également un monde, c'est une histoire totale. Le propos a une portée générale et nous fait avancer la connaissance sur des sociabilités, sur des réseaux. C'est une histoire intellectuelle, c'est une histoire culturelle. J'y retrouve même une histoire de la réception de Jean-Jacques Rousseau. Mais chacun peut-être trouve ce qu'il cherche. Et c'est un travail qui s'inscrit dans la lignée des grandes biographies de médecins publiées. C'est peut-être l'occasion d'évoquer le nom d'Emmanuel Leroy-Ladurie, qui nous a quittés le 22 novembre, c'est donc tout récent, et qui avait publié « L'Europe de Thomas Plater ». Thomas Plater, lui aussi, un destin assez singulier, de 1574 à 1628,
Donc, il quitte Bâle pour faire des études à Montpellier et il revient exercer la médecine en Suisse. C'est un des apports très importants que Philippe Rieder souligne dans son travail, l'importance de s'être expatrié pour un moment et d'avoir choisi de faire des études de médecine à Édimbourg, à ses yeux, le meilleur lieu en Europe où faire ses études de médecine. Donc un premier chapitre s'occupe de ce chemin, du début du chemin, et notamment la conversion d'une vocation qui l'attirait plutôt vers le ministère, donc le métier de pasteur, à celui de médecin. Une transition qui reflète peut-être bien le siècle des Lumières dans lequel on se situe. Fréquentation donc d'Édimbourg, et là, c'est tout à votre mérite. Vous avez étudié ces professeurs qu'a fréquenté Louis Odier, et notamment William McCullen. Vous vous intéressez aux publications de ce grand médecin à Édimbourg, parce que la résonance de son enseignement et de l'influence qu'il a sur Louis Odier va persister. On pourrait nommer la génération plus ancienne, puisque Odier est né en 1748. Quand il revient pour exercer à Genève en 1774, il y a quand même une figure imposante, Théodore Tronchin, nettement près de deux générations plus âgé, né en 1709, qui est la grande figure des découvertes sur l'inoculation et qui est en rivalité avec la Condamine en France pour savoir qui a eu le plus d'importance pour imposer cette inoculation, qui a été également sollicité pour des articles dans l'encyclopédie. Il a fait l'un des articles sur l'inoculation dans l'encyclopédie. Le petit Louis Odier, le jeune Louis Odier, va devoir se trouver une place à cette ombre très encombrante de ce Théodore Tronchin devenu très académique. Précisément, la thèse, l'ouvrage va nous raconter le cheminement de cette carrière et sous ses multiples facettes. On peut évoquer également, puisque Tissot est né en 1728, des parallèles que vous faites parfois, par exemple avec Johann Georg Zimmermann, le grand médecin de Suisse allemande, qui a aussi eu le courage d'aller faire ses études à Göttingen, mais qui revient exercer à Berne, et vous montrer que grâce à un patient important, particulièrement bien introduit dans les réseaux de la société bernoise, ça va faire presque toute sa carrière que d'avoir cette relation privilégiée. Il en va un petit peu de même pour Odier. Il y a des personnages influents qui vont beaucoup, qui vont jouer un très grand rôle pour l'introduire. Il suffirait de nommer Horace Bénédicte de Saussure. L'influence de Jean-Jacques Rousseau, je ne m'appesantis pas là-dessus, mais c'est impressionnant le rôle que joue la lecture, aussi bien au niveau social que de compréhension de l'inscription de l'homme dans la nature, et puis pour la recherche d'une épouse, puisqu'il va se faire un schéma préconçu de l'épouse recherchée qui doit être à l'image de la Julie, de la Nouvelle Héloïse ou de la Sophie de l'Émile. Ce mariage intervient tôt. Louis Odier est hautement conscient qu'il faut être marié pour inspirer confiance pour un médecin, et malheureusement sa fiancée Suzanne Beau décédera extrêmement peu de temps, 4 ans après le mariage, et cela laissera
le jeune Louis Audier veuf, et immédiatement, l'année même de ce décès, il va stratégiquement envisager un remariage et faire trois déclarations parallèles à trois femmes pour être sûr que l'une va remplir ce rôle. Il y a une analyse sur le processus d'association entre médecins qui est remarquable, et là il s'agit de Delaroche. Il y a une analyse de l'injonction publish or perish, hein, c'est ce qu'on dit dans le monde anglo-saxon, vous ne passez pas l'épaule dans certaines professions, surtout à l'académie et à l'université, publie ou disparaît. Eh bien, Louis Audier, peu connu, ayant peu de chance d'avoir de la renommée par d'autres voies, va énormément publier, et précisément sur les plates-bandes de Tronchin, puisqu'il va apporter énormément de contributions à au prosélytisme pour l'inoculation, et le journal de Genève lui offrira une tribune. C'est donc un médecin novateur, progressiste, moderne, et qui fait du prosélytisme pour imposer des opérations nouvelles des médecins et participer à rompre avec une culture de la médecine du monde ancien. Encore un lien avec Rousseau, hein, c'est la nouvelle Héloïse, avait comme titre de travail la moderne Héloïse. C'est l'idée de prendre l'Héloïse médiévale dans son couvent et de voir comment, dans un schéma analogue, au niveau absolument analogue, une Héloïse en plein XVIIIe siècle agit tout à fait autrement. Nous avons ici une vogue sous la plume de Louis Audier du terme de nouveau, des traitements nouveaux, des méthodes nouvelles. Il y a une adhésion pour l'innovation. Alors, il va créer extrêmement jeune la Société des médecins de Genève. C'est en 1775. Et donc, il est tout jeune, il a 27 ans, et il s'inspire de ce qu'il a vu en Écosse. Il est également sous l'influence d'Horace Bénédicte de Saussure, cofondateur, lui, de la Société des arts. Alors, un chapitre, je vais un peu accélérer, un chapitre s'attarde sur le modèle économique, c'est tout à l'honneur de Philippe Rider d'avoir épluché les livres de compte, la comptabilité du médecin Audier, et il peut en déduire d'abord une rigueur dans la tenue des comptes, mais aussi toutes sortes de choses. Par exemple, il y a un grand décalage entre ses mauvais investissements et des erreurs, non pas de spéculation, mais de placement dans des viagers. Son père meurt et donne avec une parfaite équité des parts égales à ses quatre enfants. De même, il hérite de sa femme quand elle meurt, mais tout ça est placé de façon assez désastreuse. Au contraire, les revenus qui viennent des consultations sont variés, mais relativement importants. Il y a tout de même une irrégularité dans ses revenus. Là encore, une belle comparaison. Vous comparez Tissot à Lausanne, bien plus glorieux, mais qui, à ses débuts, ne gagnait pas du tout autant que gagne Audier. À ses débuts, Audier, le bien-aimé, à ses débuts. Donc, pratique, les visites sont recensées dans la comptabilité. Vous prêtez attention à ne pas tomber dans certains pièges. Par exemple, Horace Bénédicte de Saussure va toujours signer les choses de son nom, même quand c'est son épouse qui est soignée. Donc, on ne peut pas faire de façon mécanique un listing des consultations. Le payeur n'est pas forcément le soigné. Donc, il y a toutes sortes de précautions.
où Philippe Rider nous apprend à être prudent. À partir de 1779, un mandat de type nouveau, il est assez respectable pour avoir des charges d'examens médico-légaux, et cela s'ajoute aux pratiques des consultations. Ces consultations ne sont pas uniformes, il y a une très belle répartition catégorielle inventée par Philippe Rider pour la clarté du propos. Il y a d'abord les consultations par correspondance, il y a des consultations partagées, et là, il y a de grands développements sur le partage d'informations, la double consultation, quelque chose qui nous concerne encore. Hein, quand il y a un cas délicat, on allait consulter un collègue pour avoir un deuxième avis. Là, la grande distinction se fait aussi de façon géographique. Ce que va aimer Odier, c'est de rester dans Genève intramuros, le bourg de Four et ses maisons, et le bourg de Four et ses clients cossus, mais il va parfois faire des visites extrêmement dans Genève et puis parfois plus loin, et ça lui prend un temps fou puisqu'on ne facture pas du tout le temps du déplacement. Une chose aussi très fine qui est analysée, c'est la non-corrélation entre la richesse des patients et le bon paiement. Hein, il y a des citoyens cossus qui sont particulièrement pingres dans les vieilles familles genevoises, et il y a au contraire des gens relativement humbles, à quoi s'attache Philippe Rider, qui ont un honneur et vivraient une humiliation de se faire soigner à l'hospice général, et qui essayent donc quand même de se faire soigner par un médecin. Philippe Odier est, Louis Odier, est particulièrement sensible à la question, puisqu'il a été lui-même pour un temps médecin à l'hospice général. Alors, l'analyse de ces publications sont extrêmement développées. Les témoignages des patients sont passionnants. Philippe Rider a analysé l'ensemble de la correspondance et il montre aussi comment une carrière politique vient s'ajouter à la pratique de la médecine et une carrière universitaire. On a donc je termine avec une annexe assez inattendue sur le soin apporté aux étrangers de passage. L'habitat de Louis Odier devient une véritable pension pour les Anglais qui font le grand tour et qui veulent aller faire des excursions à Chamonix, mais qui tombent aussi malades. Et voilà une des clientèles catégorielle dans laquelle se spécialise Louis Odier. Donc, un ouvrage qui est un monde, qui ouvre sur toutes sortes de facettes, Genève comme lieu de passage, Genève comme extrêmement encore structurée par l'étanchéité des classes sociales, et puis là-dedans, des sociabilités mouvantes, mobiles, qui viennent perturber des schémas trop rigides, et le parcours de cet Odier, qui doit notamment, qui est en tension et en dilemme constant entre l'idée de se faire une grande clientèle à lui, mais d'autre part de jouer la collégialité et de respecter le corps des médecins. Toutes ces tensions sont très très bien analysées, exposées, et on peut prendre l'exemple de la famille de Saussure qui est désolée de quitter un médecin pour passer chez Odier, et Odier en est un peu gêné parce que c'est un médecin qu'il respecte beaucoup. Et si je vous avais lu un seul extrait, c'est un patient qui lui écrit
à Louis Audier. Je suis absolument consterné de vous avoir été infidèle. J'aurais moins de scrupules à écrire à ma femme que je lui ai été infidèle parce que j'ai été consulter l'un de vos collègues, etc. Donc il y avait cette attention, cette susceptibilité. Chacun veut sa clientèle, mais d'autre part, il y a cette ouverture, cette mobilité et qui est la vie même. Donc un ouvrage extrêmement vivant, extrêmement savant, et nous avons été fiers et unanime à le saluer et à le déclarer co-lauréat. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Jacques, pour ces éloges exagérés, forcément, et aussi pour cet aperçu hein, du livre qui était très fouillé et très juste sur bien des plans. Alors d'abord, je dois vous commencer peut-être par vous remercier hein, pour cette distinction qui m'honore grandement. Et aussi, j'aimerais aussi remercier Micheline Louis Courvoisier qui a soutenu ce travail au cours de toutes les étapes de son organisation. Je dois aussi, peut-être pour commencer, justifier le choix de travailler sur un grand médecin. Ça fait bientôt 30 ans que je travaille sur des problématiques d'histoire de la médecine. Et depuis 30 ans, j'évite de m'intéresser aux grands médecins puisque ça renvoie à une histoire positiviste de la médecine, quelque chose que, a priori, ne nous intéresse pas. Je me suis donc intéressé, comme Jacques l'a rappelé, aux patients, je me suis intéressé aux charlatans, aux chirurgiens, aux apothicaires, à des pratiques, domestiques. Et finalement, au bout de ce parcours, j'ai réalisé qu'on avait peut-être raison de ne pas s'intéresser à une histoire positiviste de la médecine, mais en même temps, on savait très peu des pratiques des médecins, raison pour laquelle je me suis décidé à m'intéresser, avec Micheline Louis Courvoisier, aux pratiques des médecins, mais aussi dans l'idée d'essayer de saisir hein, ce moment, avant la médecine clinique du XIXe siècle, quand, après avoir un peu abandonné la logique des textes classiques, c'est-à-dire la lecture constante d'Hippocrate Galien et des autres anciens. Dans cet intervalle entre 1750 et 1820-1830, il y a une sorte de renouveau, mais qui ne se concrétise pas par une découverte importante. Donc la question qu'on se posait, c'est à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'ils ont fait hein, quelle pratique avaient ces médecins? Pour répondre à ces questionnements, on s'est lancé à la recherche de sources et nous sommes tombés sur beaucoup de documents épars, mais surtout sur le corpus Audier. Et c'est pour ça, en grande partie, que je me suis concentré dans cet ouvrage sur la figure d'Audier. Cela dit, Audier est un peu particulier dans le sens où il a vécu une vie biographique. C'est-à-dire, dès le départ, il était conscient et même très ambitieux. Il voulait être un grand homme. Donc le fait qu'il ait conservé ses cahiers d'enfants, hein, sa première autobiographie à 12 ans a été perdue malheureusement, mais les suivantes, il les a gardées, hein, ses correspondances, ses copies de correspondances d'adolescents. Il a conservé aussi ses compositions de collégiens, il a conservé ses lettres d'adultes, ses travaux, des copies de ses brouillons. Donc un corpus assez énorme, finalement. Et donc le risque, finalement, c'est de réaliser le projet qu'Audier avait au départ, c'est de faire un livre sur le grand homme Audier. Ce n'était pas mon objectif. Hein. À la base, ce qui m'intéressait, c'était plus les questions que je viens d'évoquer. Et aujourd'hui, pour aller un peu plus vite, peut-être comme Jacques a déjà fait un très bon tour hein, de ce livre, je vais me concentrer sur quatre questions. Donc, l'idée étant non pas de
d'écrire l'histoire de la vie d'Odier, mais d'utiliser le corpus biographique d'Odier ainsi que les autres documents que nous avons trouvés avec Micheline pour répondre à des questionnements historiographiques classiques. Alors d'abord, pourquoi devenir médecin ? Parce que Jacques l'a évoqué, hein. C'est une question qui n'est pas évidente en soi, qui est intéressante étant donné l'explosion du nombre d'étudiants en médecine dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Et comprendre comment un individu qui n'est pas issu de la médecine décide de devenir médecin semble être un enjeu, ou disons un moyen d'avoir plus de renseignements. Je me suis aussi interrogé sur comment gagner et conserver une clientèle, sur la capacité du médecin à gagner sa vie, ce qui semble évident aujourd'hui, mais pas forcément, et aussi son rapport, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, sur les savoirs médicaux. Pour commencer, alors je vais aussi être un peu rapide. Donc, la première, avant d'entrer en matière, qui est Odier, donc on le sait déjà en grande partie, c'est un homme de lettres, c'est un homme du XVIIIe siècle, quelqu'un essentiellement intéressé, ou disons subjugué par les philosophes comme Rousseau et Voltaire. C'est un grand lecteur, c'est un intellectuel, et surtout un homme de raison. Donc, du siècle des Lumières, il retient cette importance de la raison. Ses contemporains le considèrent comme étant un homme de mérite. Dès son enfance, il est évident qu'il a des capacités scolaires et académiques. Il va dépasser son frère au collège qui a 2 ans de plus que lui. On parle de lui comme d'un homme célèbre, déjà de son vivant, même si, rétrospectivement, au vu de Tronchin et Tissot, c'est plutôt une certaine notoriété qu'on lui reconnaîtrait aujourd'hui. Un sérieux, une compétence scientifique, compétence intellectuelle, une excellence scientifique. Il a marqué ceux qui l'ont connu. Et peut-être pour donner une idée de ce qu'implique hein, cet engagement en tant qu'homme des Lumières au XVIIIe siècle, je ne prends qu'un seul exemple, c'est la cour qu'il fait à Andréane Lecointe, donc celle qui deviendra sa deuxième femme. Alors, je vais faire plaisir à Jacques, là, je crois. Donc, à Andréane, il va proposer l'amitié plutôt que l'amour. Donc, il dit clairement d'emblée, je ne suis pas passionnément amoureux de vous. Mais grâce à l'amitié, on va pouvoir faire quelque chose de solide. Donc, il lui écrit des lettres hein, depuis 2 rues plus loin. Et dans une de ses lettres, il lui fait un portrait d'elle-même. Donc, il offre un portrait de sa future femme. Driette n'est ni belle, ni régulièrement jolie. Elle est trop petite, elle a un peu trop d'empoint, de mauvaises dents, des cheveux mal plantés, mais avec tous ses petits défauts, elle a une fraîcheur et des grâces qui rendent toute sa figure infiniment intéressante. Elle a la peau blanche, un très beau teint, un regard très agréable, une bouche charmante, un joli sourire, une physionomie en tout fort heureuse et que la plupart des gens préfèrent à la beauté. Alors, elle n'a pas très bien réagi. Hein. Si vous avez le temps après, on pourra discuter des suites. Cela dit, l'homme de raison qui est Odier est très convaincant. Et peut-être que pour comprendre un peu ce portrait, c'est intéressant de jeter un coup d'œil sur le portrait que propose Rousseau de Sophie. Sophie n'est pas belle, mais auprès d'elle, les hommes oublient les belles femmes, etc. De nouveau, mais plus on la voit, plus elle s'embellit, elle gagne ou tant d'autres perdent. Ce qu'elle gagne, elle ne le perd plus. Donc un regard plus doux, une physionomie plus touchante. Donc ce qui est frappant ici, c'est qu'il y a un parallèle au niveau de la structure. Alors je parle sous contrôle de Jacques ici, mais il y a une structure de la logique, de la présentation. Je ne pense pas que Odier se soit inspiré directement de Sophie, mais il manie tellement bien ses modèles que ça lui devient presque naturel. Et ici, j'ai juste relevé, hein, j'ai souligné les parallèles qu'on peut voir sur les qualités qu'il voit, la peau blanche, le regard, la physionomie, donc des éléments que à la fois Rousseau et Odier mettent en valeur. Donc Odier est original, hein, il propose l'amitié, mais en même temps,
il est dans les canons de son temps et il respecte les conventions, ou disons les données culturelles qui l'entourent. La deuxième, la première question, c'est pourquoi devenir médecin ? Ici, comme j'ai dit, il provient d'une famille qui n'est pas du tout médicale, aucun parent médecin, et pourtant, il va décider de devenir médecin. Or, si on lui posait la question, il répondait que ce n'était pas lui qui avait décidé, mais son père. Or, de fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il raconte cette scène dans une lettre de 1768, et dans cette lettre, il raconte la scène. Son père lui aurait dit « Comment voulez-vous gagner votre vie ?» Il aurait répondu « Je lui répondais que je m'en remettais à lui pour cela, que je voyais trois voies à moi ouvertes, le commerce de droit et la médecine, que je le priais de choisir. Il ne faut penser ni au commerce ni au droit, me dit mon père. Eh bien, je serai médecin, répondis-je. » Alors, on est en 68, mais en fait, la question s'était posée bien avant. En 65 déjà, il était en train de s'interroger, ou du moins dans son cahier de... Peut-être que j'avance un petit peu trop vite. Donc juste pour dire que comme il voulait faire des études, c'est logique pour lui de faire soit du droit, soit de la médecine, soit le ministre, donc la théologie. Donc 3 ans avant, ce sont là les options qui s'offrent à lui. Et lui, à la base, comme l'a suggéré Jacques, il voulait être théologien, soit ministre. Et ça, essentiellement pour faire plaisir à son père, probablement. Dans tous les cas, en 1765, lorsqu'il écrit ce cahier de composition, il rédige des sermons. Mais le dernier sermon est sur l'impudicité. Et dans ce sermon, il cite Tissot à plusieurs reprises. Et ensuite, il y a un petit traité, un petit essai qui s'intitule « Sur la médecine ». Et là, je ne vais pas vous lire l'ensemble. Elle cause une satisfaction, un plaisir infini à celui qui la professe. Il est déjà intéressé par la profession de médecin en 1765. En fait, la situation va se décompter un peu d'elle-même, puisque l'année suivante, il va lire l'Émile. Et en lisant l'Émile, il est subjugué, sinon converti, par la confession du vicaire savoyard. Il va écrire sa confession lui-même sur ce modèle-là. Il va la présenter au ministre du quartier. Ça fait un scandale. Et il faut rappeler que l'Émile avait été brûlé à Genève en 67, donc 5 ans plus tôt. Donc, ce n'est pas du tout acceptable pour un ministre que d'émettre des idées pareilles. Donc, Odier ne peut pas être ministre. Son père a déjà investi considérablement de ses études. Il fait du grec et du latin. Il a 3 fils qui vont faire du commerce. Il n'a pas besoin d'un marchand. Donc, il veut qu'il fasse des études. Finalement, il ne reste que la médecine. C'est un peu la situation qui décide pour lui. Donc, il va partir à Édimbourg. Il choisit l'université la plus chère, mais aussi la meilleure du moment. Et puis, ensuite, comment est-ce qu'il s'établit ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Alors, Jacques l'a dit, il se marie, il va publier, il va chercher à proposer des tarifs originaux pour essayer d'attirer du gens. Ce n'est pas évident. Les médecins, on le sait, ont une progression les premières années qui est lente à cette époque. Il va aussi choisir son emplacement de vie. Et ça, c'est plus évident ici. Donc, il commence dans les rues basses. C'est là où il a grandi. Ses amis d'enfance sont là. C'est le point zéro sur la carte. Ensuite, il va dans la maison Beau, qui est juste à côté. C'était des voisins à l'époque. C'est là où il s'établira avec sa première femme pour vivre 4 ans. Mais ensuite, en 1778, il va progresser dans la grande rue, se rapprocher du centre, plutôt de la haute ville que du centre. Et ici, quand il est là, sa future femme lui propose de se déplacer au Bourg de Four. C'est le 3e sur la carte. Il répond « La solidité de mon établissement exige absolument que je sois logé à peu près au centre de la ville. » Moins pour moi qui ai des bonnes jambes, qui est assez indifférent de marcher, un peu plus ou un peu moins, que pour l'empressement
des malades qui me consultent. Je suis sûr qu'à la longue, je perdrai beaucoup à m'établir dans un quartier aussi éloigné que le Bourg de Four. Alors aujourd'hui, c'est un peu rigolo, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça aurait été plus logique, question centralité, de rester dans les rues basses. C'est au centre de la haute ville qu'il veut vivre et c'est ce qu'il s'efforcera de faire. Alors, il va bien déménager quelques années plus tard, en 1795, au Bourg de Four, mais c'est surtout pour ouvrir une pension, parce que lui-même est en faillite et sa femme a trouvé un moyen de gagner de l'argent. Et ensuite, il s'établira vers la Traille, au-dessus de la Traille, dans l'immeuble des anciennes casernes. Comment est-ce qu'il attire des passions? Ça, c'est difficile à savoir. Il y a une concurrence, il y a aussi une étiquette. Ce n'est pas très clair de savoir exactement laquelle, comment ça fonctionne. Mais c'est évident que le voisinage joue un rôle, parce que si on regarde sa patientèle, ceux qui ont pu être identifiés, sur les 5000 patients qui payent Odier, j'ai réussi à identifier 1300 à peu près, 1350, donc 40% sont des voisins. Donc d'être au centre, là où sont les personnes riches, c'est le plus important. Il soigne peu sa famille parce qu'il les soigne essentiellement gratuitement. Et puis, voilà, autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La sociabilité, c'est très important. Le médecin est l'ami de ses patients. Et donc, il y a un pourcentage important qui sont de ses amis ou de ses connaissances. Voilà, ça, c'est les chiffres. Le problème... Outre cela, donc, outre le fait d'être bien placé, il va éviter de prendre une position politique. Il reste neutre. Ce n'est pas par couardise, c'est vraiment pour garder cette clientèle ouverte. Et puis, il va aussi, on va voir dans sa correspondance, des traces du tact qu'il faut avoir et des difficultés qu'il peut rencontrer. Je donne deux exemples. D'abord, la question de l'attachement aux patients. En 1812, il apprend qu'un de ses anciens patients va voyager avec un de ses amis. Donc, il écrit à son ami en lui disant « J'apprends avec plaisir qu'il est mieux. Si l'occasion s'en présente et que sans me compromettre, vous puissiez apprendre de lui pourquoi il m'a quitté pour prendre Butigny, je serais curieux de le savoir. Je l'avais guéri très promptement autrefois d'une dysenterie et je fus bien étonné, quelque temps après, d'apprendre qu'il avait changé de médecin. » Donc, le médecin ne peut pas officiellement faire de la publicité, il est obligé d'un peu sentir les choses comme il se passe. Ici, le deuxième exemple, avec la concurrence de Lulon, de Dunant. J'ai su, par exemple, qu'il avait acquis la pratique du conseiller Lulin. Et donc, il s'inquiète d'avoir perdu Lulin, qui était un bon client et qui payait bien. Et d'autant plus qu'en 1787, il y a un fléchissement dans ses revenus, il gagne moins d'argent. Donc, il est inquiet. Il en écrit à sa femme. On a cette lettre, heureusement, parce qu'elle est à Spa à ce moment-là. J'avance un peu plus vite. Comment est-il possible pour un médecin de gagner sa vie? Alors, ça semble évident aujourd'hui. À l'époque, c'était plus compliqué et on n'en parle pas forcément beaucoup. Peut-être l'originalité première d'Odier, c'est qu'il a une comptabilité, mais contrairement à d'autres médecins, elle ne sert pas à identifier ceux qui n'ont pas payé. Odier, il a une comptabilité qui lui permet de voir qui l'a payé et donc comment il progresse dans la médecine. Plus il a de revenus, plus il a de clients, plus il a du succès. Cela dit, est-ce qu'il avait besoin de gagner de l'argent? Si on regarde son contrat de mariage et les contrats qu'il a, on voit que son revenu, ce qui est arrangé par les deux familles lorsqu'ils se marient, avoisine les 1260 livres courants. Et c'est à peu près ce que coûte la pension qu'il a avec sa femme, dans la famille de sa femme. Donc, il paye à peu près 800 livres courants. Et ils ont de l'argent de poche en plus. Donc, tout est organisé pour qu'ils n'aient pas besoin d'entamer le capital. Parce que l'essentiel des revenus provient du capital donné par le père de Dieu. Donc, visiblement, l'homme le plus riche de la famille. Comment il procède? Donc, comment est-ce qu'il réussit? Ici, on voit une progression relativement régulière. Il y a un fléchissement lorsque sa première femme meurt.
ensuite une reprise, un deuxième fléchissement quand il y a des problèmes économiques à Genève, qui reprend lorsqu'il il prend la plume dans le journal de Genève et à une rubrique médicale. Voilà donc un parcours un peu accidenté, mais très bon par rapport à d'autres médecins. Ce qui est frappant, c'est qu'il a toujours besoin de ses revenus parce que ses dépenses sont quand même au-dessus. Donc, il gagne bien, mais pas assez. Et ça, on peut aller dans le détail des raisons. Plus intéressant peut-être du point de vue de l'histoire sociale, c'est que Odier va effectivement faire faillite à cause de ses investissements. Et ce qui va le sauver, c'est la pension de sa femme et puis un commerce de tissus qu'elle fait, au point qu'elle engage un commis. Donc c'est vraiment elle qui va racheter les dettes de son mari. Le dernier point que je voulais évoquer, c'est la question des savoirs médicaux. Alors, c'était un peu l'origine de mon intérêt pour Odier. Les savoirs médicaux sont, alors si vous regardez la carte, hein, c'est une toute petite carte, à peine plus grande qu'une carte à jouer, où il note ses visites. Et donc, de ces résumés de visites avec les remèdes qu'il prescrit qui sont notés, il va transcrire des observations. Comme beaucoup de médecins de son temps, il s'éloigne donc de la théorie hippocratique et de la théorie antique pour essayer de concevoir un savoir qui dépendent de ces observations. Alors, je ne vais pas dans le détail analyser ces publications et ces apports, juste deux exemples rapides. Le premier, donc la question de la thérapeutique. Donc, il va essayer le magistère de Bismuth d'un point de vue presque statistique. Il découvre que plus de participants, donc 53 sur 78, se sentent mieux. Et le magistère de Bismuth, ensuite de ça, va rentrer dans les pharmacopées européennes. Et j'ai même des collègues médecins qui m'ont dit qu'on l'utilise occasionnellement encore aujourd'hui pour des douleurs de l'estomac. Le deuxième exemple est la question de la nosologie. Hein. C'est quelque chose que font essentiellement les médecins du 19e siècle hein, dans les cliniques. Ici, Odier va aussi faire une histoire clinique de l'hydrocéphale. Et peut-être ce qui est intéressant ici et ce qui est révélateur à mon sens, c'est que sur les cas qu'il présente, hein, c'est tous des cas où le patient a survécu et donc il ne peut pas prouver que c'est des hydrocéphales. Hein. L'hydrocéphale, c'est un épanchement d'eau dans le cerveau. Donc, il met l'accent ici sur sa capacité à soigner et non vraiment sur sa capacité à diagnostiquer. Pour finir, et en conclusion rapide, je voulais juste revenir sur l'intérêt d'une approche sur un corpus biographique plus que par biographie. Moi, j'appelle ça plutôt une histoire incarnée, c'est-à-dire en partant du vécu d'un individu qui est bien documenté, on peut le confronter à d'autres vécus, à son contexte, donc un peu le creux de sa vie, mais aussi ensuite penser aux choix qu'il fait en fonction des stratégies environnantes et possibles. Donc, aborder un corpus bibliographique permet d'identifier les stratégies et les préoccupations des acteurs. Ça permet aussi, en passant par l'individu, de casser le clivage histoire culturelle et histoire sociale. L'individu est forcément un être social et culturel. Voilà, et ensuite, rapidement, un peu avant la médecine scientifique, le médecin doit séduire sa clientèle. Ça, je crois que entre moi et Jacques, on a essayé de vous convaincre. Et surtout, peut-être qu'il n'est pas aisé de gagner sa vie en tant que praticien. Et je crois qu'il y a beaucoup de médecins à l'époque qui vivaient de leur rente, et certains devaient galérer hein, pour vivre. Enfin, et ça c'est pour le questionnement initial que j'avais avec Micheline. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les apports scientifiques, à mon avis, de cette génération est essentiellement dans la rationalisation. Ils vont exclure tout ce qui relève de l'irrationnel de la pharmacopée, mais aussi commencer à développer des observations qui, une fois qu'elles sont systématisées dans les cliniques au siècle suivant, permettront le développement de nouvelles nosologies. Voilà, je vous remercie pour votre attention. «
Bonsoir. Donc, sans réelle transition, je vais présenter maintenant la conférence de Bouddha et Thémade. Et je dois dire que c'est pour moi un très grand honneur que de faire cette présentation. Alors, Bouddha et Thémade est titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales soutenu en 1982 sous la direction de Paul Béroc. Un sujet un peu loin de l'ouvrage d'aujourd'hui, Pétrole et développement, Irak, Iran, Venezuela, 1900-1973. Professeur honoraire des universités de Genève et de Lausanne, vous avez enseigné d'abord au département d'histoire économique et sociale de Lausanne, puis à Genève à partir de 2005. Et vous êtes aussi membre fondateur du comité de direction du Centre d'histoire économique internationale de l'Université de Genève entre 1984 et 1999. L'Institut national genevois a choisi de récompenser ce soir ce très bel ouvrage intitulé « De Rousseau à Dunant, la colonisation et l'esclavage vu de Genève » paru en 2022. Alors, pour rendre hommage à ce très beau livre, je voudrais moins insister sur son contenu que sur son importance, ou ce qui, à mes yeux, constitue son importance. Et tout d'abord, dire que ce volume répond à une préoccupation sociale croissante quant à l'implication de la Suisse dans l'entreprise coloniale européenne et dans l'esclavage, sans pour autant être un État colonisateur. À Genève, nombre d'événements récents témoignent de cette intense réflexion collective dans laquelle s'inscrit ce livre. Par exemple, l'an passé, l'exposition photographique consacrée par le musée d'ethnographie de Genève à Helvetia, ancienne colonie germano-helvétique fondée dans l'état de Bahia au Brésil, ou alors il y a quelques semaines, le beau colloque Genève post-coloniale organisé par des jeunes collègues de l'université. Pour étudier ce colonialisme sans colonie, comme on a pu l'appeler, qui questionne la tradition de neutralité et l'engagement humanitaire helvétique, vous prenez ici le parti d'une histoire à la fois intellectuelle et pratique en interrogeant la manière dont des Genevois, très concrètement, se sont impliqués personnellement dans des colonies européennes entre le milieu du XVIIIe siècle et le début du XXe siècle, ou alors en cherchant les livres, les revues portant sur la colonisation et l'esclavage qu'ils ont pu publier ou animer. Cet ouvrage s'inscrit donc dans la longue série de travaux que vous avez au cours de votre carrière consacrés à l'expansion coloniale de l'Europe, que vous avez étudié de manière comparative, connectée, dans la longue durée. Et la focale micro-historique de ce livre est très importante ici, je crois, et contraste avec l'ampleur des travaux. Je ne veux pas dire que ce n'est pas un livre ample, mais je veux dire que concentrer le point de vue sur des individus genevois offre un autre regard sur un champ que vous avez exploré d'autres manières, en étudiant d'abord l'impact économique de la colonisation sur l'Europe et sur les territoires colonisés, avec la possession du monde, poids et mesure de la colonisation, qui portait sur le coût humain et financier des empires coloniaux, un sujet qui était aussi au cœur de l'ouvrage intitulé « De l'utilité des empires, colonisation et prospérité de l'Europe ». Vous avez aussi consacré plusieurs ouvrages à l'héritage colonial, « Crimes et réparations, l'Occident à son passé colonial » 2008, ou encore « L'héritage ambigu de la colonisation, économie, population, société » et enfin « Empire illusoire, les paris perdus de la colonisation » 2019. Alors, la présente étude s'inscrit encore plus, je crois, dans la lignée de la publication collective de 2005 avec Yannick Chauffel-Buel et Thomas David sur « La Suisse et l'esclavage des Noirs », déjà chez Antipode, et un ouvrage qui, je crois, a ouvert un nouveau champ d'études historiques. Vous continuez ici cette exploration de manière très précise, en puisant dans la diversité des archives genevoises, en vous intéressant à des cas d'individus qui se sont engagés pour ou contre la colonisation et l'esclavage, et parfois de manière un peu trouble, un peu des deux. Dans ce livre, vous plongez dans une série de cas individuels, précisément documentés, qui permettent de suivre avec vous une galerie de portraits rendant très vivant
comme ça a été dit à l'instant sur l'intérêt de la méthode biographique pour incarner des tendances générales, vous suivez de manière très vivante les traces de quelques individus, des négociants, des banquiers, des négriers, des planteurs ou encore des auteurs. Alors, Rousseau et Dunant, mais aussi les familles de Saussure, de Claparède, Sismondi, la Société des Amis des Noirs à Genève, bref, une galerie de portraits dans laquelle je ne vais pas m'attarder, sauf à évoquer deux figures. D'abord, celle de Gustave Moynier, figure majeure en son temps, mais moins célèbre aujourd'hui que d'autres, fondatrice de la Croix-Rouge et de la promotion du droit humanitaire, mais aussi ardent défenseur du projet de colonisation du Congo par le roi Léopold II de Belgique. En tant que 18e, j'ai été particulièrement sensible à la figure de Jean Tremblay, planteur installé à Saint-Domingue, que vous décrivez comme un vieux colon à la fibre humaniste, qui montre à quel point abolitionnisme et promotion de l'esclavage ont pu coexister dans l'univers culturel genevois. En 9 chapitres, qui sont autant d'études micro-historiques, vous dressez ainsi un portrait assez paradoxal au fond de l'élite genevoise et de ses contradictions, en montrant qu'il y a, et je cite là votre conclusion, à Genève, une tradition de pensée sur l'esclavage colonial, mais pas de mouvement ni d'école constituée. Suivre précisément les acteurs, leurs idées, leurs publications, mais aussi les capitaux investis dans la colonisation et les profits, voilà le choix méthodologique fort de votre ouvrage, qu'on pourrait qualifier de micro-histoire globale, dans une expression très actuelle, qui éclaire ainsi les contradictions de l'implication coloniale genevoise. Ce bel ouvrage nous invite, je crois, à poursuivre l'enquête en étudiant plus avant les petites mains suisses de la colonisation européenne. Je pense par exemple aux Genevois dont les archives nationales d'outre-mer françaises font mention. J'ai rencontré par exemple un Gaspard Duvernay, horloger en Martinique, qui tue en 1783 un cordonnier, ou alors un autre Gaspard, fondeur, qui demande à être naturalisé français pour éviter la saisie de ses biens à sa mort. Étudier les Genevois engagés dans la colonisation européenne reste une gageure que vous avez relevée avec talent et qui me semble d'autant plus difficile que ce travail se heurte à la capacité des empires à absorber les nouveaux venus et à invisibiliser l'implication genevoise. Pour ma part, j'ai croisé Jean Tremblay dans d'autres archives décrites par les autorités françaises officielles après 30 ans à Saint-Domingue comme ayant, je cite, le mérite d'avoir passé sa vie à Saint-Domingue et d'y avoir, pour ainsi, acquis le droit de cité. Les Genevois, continue le texte, ont été traités en général dans les colonies comme français. Alors, bien loin de moi l'idée d'insinuer qu'il y aurait une francitude genevoise, je voudrais plutôt insister pour conclure, pour célébrer l'ouvrage que vous nous avez livré ici, et son importance pour écrire au plus près des sources une véritable histoire transimpériale de la colonisation. Une histoire transimpériale qui, en montrant l'implication genevoise dans des entreprises françaises ou belges, en Amérique, en Afrique ou même en Asie, participe ainsi aussi à écrire non seulement l'histoire de Genève, d'une Genève transnationale, internationale, mais aussi coloniale, parfois esclavagiste, mais aussi à déconstruire le récit national des anciens États coloniaux et de leur soi-disant mission civilisatrice. Je vous remercie donc très vivement, Bouddha et Temat, pour cette belle lecture, ce livre dense, foisonnant, très vivant, fort stimulant, qui ouvre de belles perspectives de recherche, et je vous félicite pour le prix d'histoire 2023 que vous décerne l'Institut national genevois. Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais commencer par des remerciements adressés tout d'abord à vous, madame, pour votre laudatio,
ensuite aux membres du jury pour m'avoir honoré. Enfin, et c'est une histoire personnelle, à Genève, pour tout ce qu'elle m'a apporté et à laquelle j'ai voulu, en guise de gratitude, consacrer un livre dans les limites de ma spécialisation. J'aimerais commencer par l'origine de ce livre et par la question que je m'étais posée. Comme indiqué, je me suis beaucoup intéressé à la colonisation, à l'esclavage, dans ces perspectives très larges et comparatives. Et je me suis demandé, une fois arrivé à la retraite, ce qu'il en était de Genève. Que pense-t-on à Genève, dans la cité de Calvin, de l'expansion coloniale de l'Europe qui, dans les Amériques, s'accompagne de l'esclavage d'Africains? Alors, le côté, le réflexe, si vous voulez, c'est de regarder du côté de ceux qui, à Genève, ont été impliqués dans la colonisation et l'esclavage. Pour résumer les études qui existent à ce jour, il s'agit d'un petit nombre de négociants et d'investisseurs. Ils participent à des degrés divers, le plus souvent temporairement et indirectement, à l'expansion de l'Europe dans les contrées d'outre-mer. Ce qu'ils y font, c'est que c'est ce qu'ils savent faire, à savoir des affaires. Mais ils ne s'épanchent guère sur la domination coloniale et l'asservissement de captifs africains. Donc, il faut chercher ailleurs. Il ne faut pas regarder du côté de la circulation des marchandises ou des capitaux, mais des idées. Et il se trouve que dans la cité de Calvin, des hommes de lettres ont pris la plume pour s'exprimer sur la colonisation et l'esclavage. Ils sont philosophes, érudits, savants, écrivains voyageurs, humanistes, philanthropes. J'aimerais ne citer que les plus connus. Dans le livre, il y en a à peu près une quinzaine qui apparaissent. Rousseau, bien entendu, Étienne Clavière, dont vous avez peut-être entendu parler, Sismondi, bien entendu, Alfred Bertrand, qui a son parc à Champel, Henri et Léopold de Saussure, représentants d'une grande famille, Gustave Moynier, qui a été mentionné tout à l'heure par vous, madame, Henri Dunant, pour terminer. J'ai analysé leurs écrits sur l'expansionnisme européen, ces écrits qui ont été jusqu'ici peu étudiés. Deux constats généraux, deux conclusions auxquelles je suis arrivé. Premièrement, aucun de ces auteurs genevois ne défend ouvertement le système esclavagiste. Mais tous, en revanche, sauf Rousseau, se positionne d'une manière ou d'une autre en faveur de la colonisation. Deuxième conclusion sur laquelle je vais m'attarder. Il existe un contraste très fort dans les écrits d'avant le milieu du XIXe siècle et ceux d'après, faisant apparaître deux groupes d'auteurs aux sensibilités opposées. Le premier groupe réunit des hommes des Lumières, l'autre des pourfendeurs de l'idéal universaliste. Cette opposition est au cœur du livre.
Je vais essayer très rapidement de présenter les positions des auteurs du premier groupe et de faire apparaître l'opposition, le contraste avec les auteurs du deuxième. Le moment de bascule, encore une fois, c'est le milieu du XIXe siècle. Pour les auteurs du premier groupe, il existe un décalage entre l'Europe et le reste du monde. Il s'agit d'écarts plus ou moins grands induits par la géographie et l'histoire. Ce qui est important de retenir ici, et c'est le credo des auteurs de ce premier groupe, c'est que ces écarts qui reflètent des particularismes établissent certes une hiérarchie entre les peuples, mais le credo universaliste de ces auteurs admet que les échelons peuvent être gravis, autrement dit, que les écarts peuvent être comblés. Ces hommes des Lumières ne croient pas que le particularisme ait un caractère irréductible, car l'Europe dite avancée, qui leur sert de modèle, de référence, pourrait faire en sorte que non seulement les écarts se réduisent, mais également que les niveaux s'égalisent. Le représentant le plus connu de ce courant, c'est Sismondi. Il considère beaucoup de cas pour défendre ses positions. J'ai choisi le cas de l'Inde, colonisée par les Britanniques, et considérant cette colonisation, Sismondi rappelle aux Britanniques que leur souveraineté n'est légitime que s'ils remplissent leur devoir de colonisateurs, à savoir œuvrer à l'avancement, c'est une citation, dans la civilisation du peuple conquis. À ce titre seulement, pour Sismondi, la domination peut devenir un bienfait pour l'humanité. Ils sont tous convaincus, encore une fois, sauf Rousseau, les auteurs du premier groupe ainsi que ceux du second, tous convaincus que si l'on s'y prend bien, la colonisation est un bienfait. Plus significatif, et c'est là où il y aura le contraste qui va apparaître, plus significatif, Sismondi tient les Indiens du sous-continent pour, je cite, un peuple qui peut s'unir intimement, s'identifier avec un peuple d'Europe. Et là, il s'agit bien de fusion. Si, comme il l'affirme, la fusion des Indiens avec les Anglais n'est pas seulement souhaitable, mais aussi possible, c'est que, pour lui, les écarts sont minimes. Je vais le citer encore rapidement. « Qui peut douter, dit-il, que du moment que des lois égales seraient accordées à tous les habitants de l'Inde, sans distinction de race, l'Inde ne devint bien plus rapidement encore européenne et anglaise ?» Ainsi, pour Sismondi, et je vais en terminer avec les auteurs de ce premier groupe, pour Sismondi, comme pour les autres humanistes genevois, il faut responsabiliser le tuteur européen. Sommet de relever l'Asie et l'Afrique supposées souffrir d'un décalage. Décalage qu'il est néanmoins possible pour eux de combler. En quelques années, défendre de telles idées deviendra hors de saison dans les milieux intellectuels genevois. À partir du milieu du XIXe, l'idéal universaliste bat de l'aile et de plus en plus la division des hommes se perd selon une hiérarchie raciale. Les races, entre guillemets, inférieures, supposées
incapables de s'élever par elles-mêmes, doivent comme auparavant s'en remettre à des protecteurs et à des guides éclairés. Mais là, à partir du milieu du 19e, il y a une nouveauté. L'accent est mis sur le caractère irréductible des différences. Le modèle de référence reste le même, à savoir la civilisation des Blancs, mais désormais, il est décrété inimitable et inégalable. Étendre les normes, le credo des anti-universalistes, c'est vraiment ce que je vais dire maintenant. Étendre les normes occidentales aux peuples non européens n'est plus envisageable, au motif que ceux-ci sont trop différents pour en bénéficier. Alors, vous voulez des noms, sûrement. Henri et Léopold de Saussure, et dans une certaine mesure, Alfred Bertrand, défendent de telles positions auxquelles adhèrent implicitement Gustave Moynier et Henri Dunant. Et à partir de ce moment de bascule du milieu du 19e siècle, on va assister à quelque chose qui est un durcissement des fronts. Ainsi, je vais reprendre Sismondi et l'opposer à Henri de Saussure et ce que l'un et l'autre pensent de l'émancipation d'Haïti en 1804, l'indépendance obtenue par des esclaves rebellés en armes. Pour Sismondi, l'indépendance d'Haïti gagnée par des esclaves est la promesse d'une libération porteuse de progrès. Pour Henri de Saussure, en revanche, l'ex-Saint-Domingue, colonie française, placée entre les mains de Noirs, ne peut que courir à sa perte. Pour Henri de Saussure, tout ce que les esclaves africains y ont accompli depuis leur émancipation est affligeant, méprisable et dérisoire. Cette manière de voir va être appliquée de manière plus générale à l'Afrique et à l'Asie en voie de colonisation à ce moment-là, dans la seconde moitié du XIXe siècle. Et cette vision inégalitaire du monde appliquée à l'Afrique et à l'Asie va alimenter une thèse que l'on connaît bien parmi les historiens économistes, c'est la thèse du développement séparé. Et le plus fervent partisan de cette thèse, c'est l'un des fils d'Henri de Saussure, c'est Léopold de Saussure. Selon cette thèse, il n'y a pas... C'est un autre monde, n'est-ce pas, dans lequel nous naviguons maintenant. Selon cette thèse, il n'y a pas d'unité originelle du genre humain, ni d'égalité naturelle des membres de l'humanité. Les lois de l'évolution qui vont être mises en avant, les lois de l'évolution font diverger les différents groupes composant le genre humain et leur confèrent un ensemble de caractères propres, un ensemble intransmissible de caractère propre. Et contrairement à ce que croient les humanistes assimilationnistes, il n'existe aucun moyen de combler la lacune qui, avec le temps, s'est creusée entre les groupes. Nous sommes juste à côté de la plaine de Plainpalais. Donc j'ai choisi un exemple qui nous renvoie en arrière, en 1896.
Il s'y est tenu sur la plaine et autour de la plaine, ce que vous savez probablement, ça veut dire l'exposition nationale de Genève. Et j'ai imaginé Alfred Bertrand en train de déambuler dans l'exposition sur la plaine de Pamplemousse. C'est très probable, parce que Bertrand a donné quelques objets qu'il avait ramenés de ses voyages lointains et qui ont été exposés dans le cadre de l'exposition nationale de Genève. Mais j'aimerais citer cet exemple qui est en partie fictif pour m'interroger et essayer de répondre à la question que peut-être vous vous posez. Pourquoi les anti-universalistes genevois adhèrent-ils à cette vision étriquée du monde qui l'emporte en Europe au cours de la seconde moitié du XIXe siècle? Alors, je vous rappelle, Bertrand est un explorateur, un voyageur infatigable. Il a visité des zones très reculées d'Afrique australe. C'est un notable, très fortuné, et qui, très probablement, assiste à l'exposition nationale de Genève, durant laquelle sont présentées pour la première fois en Suisse des automobiles, et dont le site de l'exposition abrite parallèlement ce que l'on appelait un village nègre, où sont exhibés de manière dégradante des Noirs. Se promenant à travers les stands de cette exposition, Bertrand aurait pu être frappé par cet incroyable contraste et se dire qu'il y a entre la Genève riche et avancée, entre guillemets, et l'Afrique pauvre et arriérée, entre guillemets, en cette fin du XIXe siècle, un fossé infranchissable. En conclusion, à la question de départ, une réponse que je vous propose est un lien que le livre fait apparaître. La réponse. Les écrits de plusieurs hommes de lettres genevois montre que la cité de Calvin a pendant plus d'un siècle développé et entretenu ce qu'il serait convenu d'appeler une pensée coloniale. Il s'agit essentiellement d'un discours justificatif de l'expansionnisme européen. Ce n'est pas original, Genève fait comme le reste de l'Europe. C'est le sentiment à Genève, partagé avec le reste du vieux continent, d'une mission à accomplir. Celle-ci consiste en une œuvre de régénération qui permet de légitimer la domination des peuples supposés attardés et à qui il faut montrer le chemin, le bon chemin de la civilisation. Le lien maintenant. L'affrontement au XVIIIe et au XIXe siècle entre pro- et anti-universalistes genevois a des prolongements. La contestation des principes universalistes a débouché, à partir du milieu du XXe siècle, sur un culte de la différence. Sur le vieux continent, où la fin des empires ultramarins ne signifie pas l'éradication de l'esprit du colonialisme, certains milieux brandissent désormais la différence comme un droit légitimant la séparation et l'exclusion dans un contexte où le recours à la race est remplacé par celui à la culture. Ce n'est plus l'infériorité de certains groupes humains, mais le caractère supposé immuable et irréductible de leur particularité culturelle qui fait d'eux des éléments
inassimilable à la civilisation occidentale. Merci. Alors, merci infiniment à tous ces merveilleux orateurs. Vous aurez compris qu'on passe maintenant à la partie plus cérémonielle, qui est un astucieux prétexte grâce auquel on a pu attirer toutes ces personnes fantastiques. Merci encore infiniment. Et puis, je crois qu'effectivement, c'est la raison pour laquelle, en principe, vous êtes là. Parce que... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Irène. Merci. Merci. Alors, pour qu'ils aient vraiment mérité ce prix, je propose que vous ayez aussi la possibilité de leur poser des questions. Quand même, hein. Voilà. Oui. Donc, pendant quelques minutes, et puis ensuite, on se retrouvera autour d'un verre. Bon, cher Bouddha, écoute, alors, je pose une question. Comment tu vois le discours de Jules Ferry, parce que c'est la deuxième moitié du 19e siècle, et puis lui, il pense quoi, que c'est possible de faire une universalité, ou bien il pense qu'il y a trop d'écart? Parce qu'il me semble, dans son fameux discours, de, avant qu'il se fasse virer en 1883, il est très pour éduquer ces personnes, puis les faire remonter vers le niveau de l'homme blanc. Hein, ça me semble, je sais pas, j'aimerais voir. Ton avis là-dessus. Oui, oui. Bon. Non, je sais qu'il n'est pas Genevois, oui. Mais disons qu'on sait que Genève n'est qu'une partie du monde. Oui. Oui. Je dirais que ce que j'ai appris en travaillant sur les écrits Genevois et en essayant de voir ce qu'il disait de peut-être original ou de différent de ce que l'on pouvait trouver ailleurs en Europe, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de subtilité, beaucoup de finesse dans leur pensée, qu'il était difficile de mesurer le degré de subtilité chez les uns et chez les autres. Ne connaissant pas bien la pensée de Jules Ferry, je ne pense pas que je puisse répondre à ta question, mais je dirais que... les deux groupes que j'ai essayé d'opposer, ce ne sont pas des groupes qui sont homogènes, n'est-ce pas? Ce sont des auteurs qui ont des sensibilités que l'on pourrait rapprocher et donc les mettre ensemble. Ce qui m'intéressait, c'était l'opposition, justement, le contraste qui apparaissait et qui me permettait de mettre un peu d'ordre dans un chaos, dans un petit chaos. Merci beaucoup pour ta réponse. D'autres questions? Alors, moi, j'ai une question pour monsieur, le docteur Philippe Rider. je voulais juste savoir, parce que je trouvais intéressant cette idée qu'un médecin devait avoir un esprit commercial, devait séduire ses patients, etc. Et ça m'a quand même questionné, qu'en est-il maintenant? Est-ce que c'est toujours le cas? Ou qu'est-ce qui fait que maintenant, les médecins n'auraient plus besoin de... Parce que maintenant, c'est un tabou. Les médecins ne peuvent pas être amis avec leurs patients. C'est même une condition pour ne pas... Pour ne pas choisir un patient, on n'a pas accepté un patient, c'est qu'il soit dans son cercle amical. Donc, quelle est la différence maintenant par rapport à ça? En principe, le présent, c'est pas moi ma spécialité, mais je pense que ce qui est évident, c'est que le médecin devait être l'ami de ses patients dans un paradigme où le passé du patient était très important et son état, sa vie quotidienne était importante. Aujourd'hui, avec le principe du secret médical, il devient difficile de côtoyer toujours ses patients et de préserver le secret médical. Je pense, hein, en deux mots. Autrement,
le tabou de l'argent et tout ça, je pense que c'est en train d'être déconstruit de façon assez radicale, même si le discours médical est en principe plutôt bienveillant vis-à-vis des patients que de l'argent. Oui, bonjour. Une question pour Monsieur Etemad. Je me rappelle, il y a 30 ans, c'est vieux, mais j'ai entendu Madame Anne-Marie Puy parler du fait que, et ça devait être avant Rousseau, que la compagnie des pasteurs genevoises avait été interrogée sur le fait de savoir si un bon chrétien pouvait être possesseur d'esclaves. Et puis la réponse, je l'avais entendue de sa bouche, avait dit que ce n'était pas le cas. Un bon genevois ne devrait pas, au fond, un bon calviniste ne devrait pas posséder des esclaves. Ça n'a pas plus d'influence. Mais est-ce qu'à la fin du 18e et au 19e, vous avez vu la position des pasteurs genevois de l'époque, qui doit quand même avoir une grosse influence? Je pense à Henri Dunant, qui de son côté a écrit La Régence de Tunis, où, disons, le système indigène n'était pas méprisé, en tout cas pas. Donc, j'aimerais avoir votre avis là-dessus. Merci. Oui, ce sont des questions difficiles, c'est vrai. À ma connaissance, si vous regardez du côté des pasteurs, vous trouverez des anti-esclavagistes. Mais vous ne trouverez pas nécessairement des abolitionnistes. C'est-à-dire l'anti-esclavagisme, c'est au fond, c'est la compassion. On souffre parce que l'autre, c'est le même que vous voyez, vous vous identifiez à un être humain qui souffre et qui est soumis à une condition qui est insupportable selon les valeurs qui sont celles de la Bible. Maintenant, c'est vrai que parmi les pasteurs, il n'y a pas eu beaucoup d'abolitionnisme. Abolitionniste. L'abolitionnisme, c'est la lutte que l'on engage pour abolir, interdire la traite négrière et l'esclavage dans les Amériques. On en trouve beaucoup moins. Ce que j'aimerais dire et qui concerne la communauté protestante, les protestants. Si vous regardez en Suisse et à Genève, qui parmi les négociants et les manieurs d'argent ou les investisseurs ont été impliqués dans des trafics que l'on appelle aujourd'hui honteux, on trouve quasi exclusivement des protestants. Mais si vous considérez d'un autre côté les mouvements abolitionnistes en Suisse et à Genève, ils sont tous protestants. Voilà. Est-ce que voilà. Monsieur le professeur, excusez la question, mais j'aurais aimé savoir quel est votre sentiment sur dans quelle catégorie vous classeriez notre compatriote Napoléon III. Et l'Algérie. Après Jules Ferry, Napoléon III. Je crois qu'il a fait un passage en Suisse. Oui, il a fait un passage en Suisse. Non, il avait son domicile fixe. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Ce que je sais de Napoléon III concerne l'Algérie, où Dunant a fait un passage qui n'était pas très heureux. Napoléon III avait une idée qui était intéressante, c'est de faire de l'Algérie un royaume arabe. Alors, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire aujourd'hui, mais c'était assez novateur à l'époque, mais c'est difficile pour moi d'en dire plus parce qu'il y avait beaucoup d'ambiguïté dans ce projet.
et que Napoléon III, au fond, est considéré par la plupart des historiens comme ayant encouragé la colonisation et l'occupation. Donc, il y a des idées qui sont intéressantes chez lui, qui rompent avec ce que l'on envisageait ou que l'on imaginait comme projet colonial, mais c'est resté plutôt sur le papier. Dans les faits, je ne pense pas qu'on puisse l'absoudre de l'occupation coloniale de l'Algérie. Alors, je sais qu'il y a un très joli golf club au bord du lac où il y a un édifice où Napoléon III a dû probablement résider. Bon, mais c'est tout ce que je sais. Alors, je pense qu'on va libérer nos deux orateurs et encore les féliciter infiniment pour leur ouvrage, évidemment, et aussi pour ces belles conférences. Merci. Ces belles conférences. Merci.